What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour la seconde vidéo qui concerne donc les équipements exotiques du chasseur pour le prochain DLC, la maison des loups. Voilà, donc comme vous le savez, les armures exotiques, on peut les looter soit en nid noir, soit dans un engramme, en ayant un petit peu de chance, soit dans un assaut ou encore en multi, voilà, en PVP. Donc tout simplement, il y a encore 3 équipements exotiques pour le chasseur. Il y aura un casque, des gantelets et des bottes. Pas de torse en ce qui concerne le chasseur pour le prochain DLC. Voilà. Donc on va commencer tout simplement avec ce casque qui, c'est vrai, a un skin assez bizarre mais qui peut être original. Faut voir ce que ça donne sur le personnage. Il s'appelle Exotac Angel Hunter et sa capacité principale sera d'augmenter les stats des armes peu après avoir sauté et ce pour un temps vraiment réduit. Voilà. Donc quelque chose d'assez sympa si on est dans une situation un petit peu risquée. Hop, on fait un petit saut, on peut tirer, on sait qu'on fera plus de dégâts. Pour le second équipement, donc qui concerne donc les gantelets, qui vont s'appeler, on voit IKEKUX. On dira un nom à la Ikea un peu d'ailleurs. Voilà, donc ces gantelets avec un skin un petit peu vert, rouge, voilà, ça a l'air... faut voir ce que ça donne, ça a l'air assez sympa. Et vous pouvez voir que sa capacité principale, donc c'est le Touch of Venom. Donc, en gros, taper un ennemi pendant l'invisibilité fera en sorte que vous ferez plus de dégâts sur cet ennemi. Voilà, en gros, vous prenez la doctrine épéiste, vous mettez invisible, et lorsque vous remettez un coup de poing pendant que vous êtes invisible, vous ferez plus de dégâts que mettre un coup de poing si vous ne l'êtes pas. Voilà. Et on passe désormais au troisième et dernier équipement en ce qui concerne le personnage du chasseur avec ses bottes. Alors, Unremarkable Bones, désolé vraiment pour mon anglais, j'essaie de les dire à chaque fois, mais c'est pas évident. Avec la capacité principale de cette arme qui s'appelle Not Bound by Law. Donc, il faut savoir qu'en fait, franchement, moi je trouve que ces bottes, elles ont un super atout, c'est vrai. Après, bon, c'est peut-être pas très utile, mais c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Tout simplement que ça va améliorer le double saut et que vous allez même gagner un saut supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, avec la doctrine épéiste, on sait tous qu'on a que 2 sauts. Et bien avec ces bottes, vous pourrez en avoir un troisième. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ont le personnage du chasseur, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces équipements et lequel vous aimeriez looter. Sachant que, comme d'habitude, on peut toujours porter qu'un seul équipement exotique. Dans lequel vous aimeriez vous porter. Voilà. Je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour la vidéo sur le Titan. Je vous fais des très gros bisous. Et bonne soirée tout le monde. Ciao !